Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur BioShock. J'ai pas trouvé d'écran. Ah bah voilà, ça c'est un écran de pause bien aussi. Petite sœur dans ce niveau, il y en a trois, ok. Bon à savoir. Et elles ont chacune des caractéristiques particulières ou peut-être pas. Il y a des gens qui me tirent dessus en fait, donc ah, ça fait des trucs bizarres quand je réduis le son. Hop, j'ai plus tellement de vie. Pour moi, c'est une nouvelle séquence de filmage. Donc, ah oui, dans le dernier épisode, on avait clear le tout début du trésor de Neptune. Poc. Bon, maintenant on est habitué, on fouille tout. Ah, ouais, j'avais vu ça. Il m'a tiré dessus et j'ai rêvé. Il y a des choses qui tremblent. Alors. Ouais, on avait déjà choisi dans l'épisode précédent. Ah, il y a une tourelle qui doit me tirer dessus. Ah, depuis super loin. Les tourelles snipeuses. Alors ça, on a du antipersonnel, c'est pas... On a pas une grosse quantité. De changer... Ah, là j'en ai un gros gros paquet. Ah, faut que j'aille par là quand même. Jeter un coup d'œil un peu partout. Ah! C'est visiblement juste là où on était. Ok. Bah, re-soin. Ah, ça le touche depuis super. Mais j'ai arc électrique. Piraté. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Les alarmes mettent fin au piratage et enclenchent le système de sécurité. Ok, c'est un peu plus chaud que avant. C'est pas grave ici. Top, un truc comme ça serait peut-être mieux. Hop. Donc, pas grand chose. J'ai cru que j'aurais pas ce qu'il faut. Ok. Ok, bon, elle m'aura un peu coûté, encore une fois. L'arc électrique a fait ses preuves. Encore un là-bas. Ah, on a ça. Pour acheter, je sais plus si j'avais déjà vu. On a 40 pirates génériques. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé d'Ève. Repousse les créatures et objets. Faudrait plutôt que je visite les améliorations. Saleté. Venir dans mon dos pour me tuer, c'est vraiment pas cool. J'ai l'impression d'avoir mon P38 Parabellum. Par là. Hop, laissez-moi passer. Je vous prie. Désolé pour les boing boing. C'est mes touches de son. Atlas a appelé. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêches. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrais m'arranger pour vous faire entrer. Ok. C'était quoi? Mon ami, vous êtes fichu. Il va m'ouvrir ou on a juste parlé? J'ai l'impression qu'il va pas m'ouvrir. Il m'a dit, j'ai écouté et j'ai déjà oublié.
d'aller chercher un. Ah. Ça va avancer. J'ai déjà interagi avec ça. Elle est increvable. Pas la figer visiblement. J'ai une tourelle alliée, elle a disparu. Elle a peut-être revenu. Celui-là est trop coriace pour vous. Regardez sur le tapis roulant, il y a de quoi vous requinquer. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales bestioles accrochées au plafond. Après, vous pourrez entrer dans les coffres. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Et je comprends. C'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Ça donne un soin gratuit normalement, si je me trompe pas. Ah non, ça réduit juste. C'est pas grave, on va le prendre. La bête terrifiée comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait ça. Des mois, oui, six pieds sous terre. Mais il sursaute encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez ? Oh, ça n'a pas d'importance. On a du pain sur la planche. Comment ça a changé ? Tant mieux qu'ils viennent par ici. Bon, je suis la flèche pour l'instant. Hein. Ah si, je croyais que c'était une blague qui voulait que je lui tire au lance-roquette. Je croyais qu'il voulait que je lui tire au lance-roquette. Ah, on peut fouiller en bas. Chercher l'autre que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Fontaine doit partir. Il faut nous occuper du cas de Fontaine. Alors que j'achetais des immeubles que j'investissais dans le poisson, il accaparait le marché des génotypes et des nucléotides. Ah. Rapture se transforme sous mes yeux. La grande chaîne s'écarte de moi. Il est peut-être temps de tirer dessus. Ça marche plutôt bien les headshots. C'est un signe. Ah, boum. Ah, il a fait exploser l'autre par contre. J'ai envie de dire tant mieux.
Alors, on est un peu plus tranquille comme ça. Ah, il y a une petite fille. C'est pas ça, c'est ça que je voulais faire. Mine de proximité. Ah, oh, c'est une classique. Ah, il y a encore du monde avec. Lui, il me laisse tranquille. Tant que je m'approche pas de sa petite fille. Ah, je suis plein entre du soin. J'ai vu un contrebandier jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonnée car ses bras avaient été mutilés pendant la guerre. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barge quelques jours auparavant. Le lendemain, il a constaté qu'il pouvait bouger les doigts pour la première fois depuis des années. Je lui ai demandé s'il avait toujours cette limace de mer. Et par bonheur, il l'avait. Limace de mer. Donc il y a des limaces de mer qui visiblement ont des propriétés réparatrices pour les humains. Alors moi j'ai un lance-grenade. Ça m'a pas l'air terriblement efficace. Que tu es quoi? Il y a un fusil à pompe en fait. Ah, oh. Alors, bon, on va la sauver. J'ai lu que sauver plusieurs petites filles d'affilée, ça pouvait apporter une récompense différente. Donc j'ai envie d'essayer. Du coup, c'est redevenu une petite fille. Oh mince, j'ai déjà lu. Oh, on peut pas faire disparaître. Jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonné. Oui, oui, un contrebandier. Contrebandier. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barge quelques jours auparavant. Le lendemain, il a constaté qu'il pouvait bouger les doigts pour la première fois depuis des années. Je lui ai demandé s'il avait toujours cette limace de mer. Et par bonheur, il l'avait. Ok, on va vérifier que tout est bien rechargé. Hop, il y a une tourelle qui m'a tiré dessus. Ça, ça mérite la décharge électrique. Ah, mal. Hop, ça. Piraté. Hop, 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 hop. Il y a un peu de bruit chez moi, j'espère que vous entendez pas trop. Au moins les ennemis nous laissent tranquilles quand on pirate. Ça c'est quand même terriblement chouette. Hop. What? C'est quoi ça? M. Peut-être que ça ralentit. C'est ça. Hop, maintenant tu es mon allié. Tourelle mitrailleuse. Voilà. Tu vas avoir l'occasion de servir.
blessé aussi. Encore quelqu'un ou c'est fini? Crac, tic tic. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Caisse de grenades vide. Macha chérie, nous ignorons ce que tu es devenue. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville? Je vois des fillettes sortir des aérations. Et je me dis que toi aussi, tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message, rejoins-nous au Fighting McDonagh, chambre 7. Le code de notre porte est 7533. Tu nous manques, ma chérie. Ok, bon, apparemment elle a perdu sa fille. Les panneaux de sécurité permettent de désactiver... Je pense que le son du jeu est un peu fort par rapport à ma voix. Je vais me permettre de baisser encore un peu. Hop. Alors, excusez-moi pour cette brève interruption. Les panneaux de sécurité permettent de désactiver les alarmes et de neutraliser les robots de sécurité qui ont été alertés. Ça coûte 20$. Oh. Sinon, j'ai choc électrique. Ça désactive pas aussi longtemps, mais... Allez scanner ailleurs. Ah, il y en a deux. Non, c'est bon. V. Pirater. Celle-là, elle ne nous embêtera plus. C'est quoi ça? Les armes mettent fin au piratage. D'accord, bon, bah, on va juste éviter. Tac, tac, tac. Ça, ça marche comme il faut. Un de plus par là. Alors, on peut zigzaguer comme ça, par exemple. Hop. Hop. De l'énergie... Je sais plus comment ça s'appelle. De la dent, j'en ai plein. Non, c'est peut-être pas de la dent. Ce qui me permet de faire de l'énergie électrique, j'en ai plein. Je peux pas pirater, là, c'est trop haut. Ah, et c'est rapide. Hop, laisse-moi tranquille le temps que je repasse. Toc. Il faut surveiller Fontaine de près. Il n'était naguère qu'une menace qu'il suffisait de convaincre et de pendre. Et il s'arrange toujours pour ne jamais être là où sont les preuves. Il fait partie des escrocs. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques et beaucoup d'autres choses très compliquées. Ok, c'est un appareil photo standard. Hop là. Je voudrais juste savoir à combien de temps je suis de vidéo. Ah, mets-toi en petit écran, toi. Hop, 18 minutes, très bien. Excusez-moi pour cette interruption. Hop, j'ai du monde qui m'a repéré. Désactiver l'alarme sur le panneau. Ok. Ça va nous éviter bien des soucis. En plus, j'en ai un à pirater gratuit, un robot avec moi. Je dis oui. Alors, je serais partant pour faire un truc du genre. Hop, hop. Ah, je peux pas tourner par là. On va tourner à ce niveau-là. Toc. Et un dernier. Hop. C'est mon robot. Tape l'autre. Faut que je continue par là, malheureusement. Non, tu m'as pas vu. Ah, crotte, on voit à travers, mais on peut pas casser.
Ça, c'est pas cool pour moi. Alors, lui, il m'a bien spoté. J'ai un lance-grenade en fait. Je pense que j'ai pas lancé assez loin du tout. Je sais même pas si là j'ai touché. Ça fait un beau boom. Si, c'est bon. Plus adapté contre ce genre de merlot. Est-ce que ça m'a rapporté? Ah, je peux pas savoir. Je crois que ça m'a rapporté de la santé. Hop. On ne parle plus. Alors, j'ai eu plein de munitions de mitrailleuse, ça c'est chouette. Un nouveau journal. Attendez-en maintenant. Nous en sommes donc arrivés là. Je suis pas celui qui dicte les lois ici, je ne fais que les appliquer. Mais je ne suis pas venu à rassurer. Ah. Contrebandiers. Si Ryan et ses hommes veulent vraiment appliquer leurs lois, je leur rends mon insigne. Oh oh, un juge rebelle. Alors ça, ça m'a l'air pas mal. Faudrait que ça monte. On va faire un truc comme ça. Hop. Il me manque un quelques trucs qui montent. Toc, on est bon. Alors, fouiller, 3 trucs antipersonnels, 2 grenades infrarouges, 23$. Pas mal, je pense que c'était une cachette avec plein de d'équipements. Ça, ça marche de vachement loin, c'est chouette. Oh oui. Chut, 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 chut. Ah, il ne reste plus qu'à aller au panneau. Piraté. On va tenter le coup. Je mettrai bien un ralentisseur. Comme ça on va être ultra tranquille. Ok, je vois qu'on est plus ou moins obligé de passer par là. Alors, tout ce morceau là il est bon. Hop. D'ailleurs, toc. Adjugé vendu. Hop. On va tenter de la jouer contre piratage. Alors là je suis obligé de passer par là. Hop. 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 Par là. Par là. J'ai pas tellement de morceaux. Ce dont j'aurais besoin, c'est bon. Voilà, ça va faire une armée de robots. Ah ben non, j'ai craqué toutes vos machines. Qu'est-ce que vous allez m'envoyer? Haha. J'aimerais bien pouvoir la craquer celle-là. Si je peux pas la craquer, je peux encore la détruire. Alors, cette porte est verrouillée, mais c'est pas grave parce que je connais le petit passage. Ok. S'il a réussi à me frôler. Et il a beaucoup de santé en plus. Ah, lance-grenade.
Aïe. J'ai pas su comment l'esquiver. Faudrait qu'il m'oublie. Pour que je puisse sortir, j'ai plus de trousse de soins. Ah, ça, ça sent la fin. Aouh. Les trucs lance-grenades, je les trouve compliqués à gérer. Alors, je ressors de la vitesse chambre. Voilà, cet allié. C'est trop vite pour lui. Je suis mort par ici. J'ai pas mal de thunes. J'ai toujours pas de caisse de soins. Ah, ça fait mal super vite. Alors, mais j'ai un lance-grenade, moi. J'espère au moins l'avoir eu. Aïe. Ils sont redoutables. J'espère que j'ai respawn illimité. Ah, elle est plus alliée, elle. Ah non, c'est celle d'après que j'ai craqué, c'est normal. Alors. J'ai pas infrarouge, proximité, frag. On va. On va rester sur du très classique. Ou alors, mais non, j'ai mon arc électrique moi, je m'embête pour rien. Quand il y a un truc qui m'embête. Un petit hop, piraté. Poc tac. Oh, je sais pas si j'en ai assez. Non, visiblement j'en ai pas assez. On va être obligé de zigzaguer. On va piquer lui. C'est la première fois que ça m'arrive, il faut bien une première fois à ça. Ouais. Oh non, tué par une, un lance-grenade allié. Ah bah j'aurais fait une belle série de défaites sur celle-là. Je voulais fouiller le cadavre plutôt. Utiliser le lavabo aussi. Ah, il y a un. Alors, déjà. Pansement. Et ensuite. Là, il y a un truc. Il est en train de péter les portes. Oh, il y a un truc qui tire par là-bas. Je voulais récupérer. La seringue d'Ève. Si c'est de l'Ève, j'avais un doute. Quelques munitions. Oh. C'est un protecteur, ça. Pourquoi il y a un protecteur mort ici? Alors, est-ce que je peux tenter une attaque frontale? Peut-être plutôt à la décharge électrique. Ouais. Hop, piratage. C'est quand même un truc bien pratique, le piratage. Alors, ici. Hop, comme ça on peut aller nettement plus loin. On va suivre à peu près ce qui nous a été donné. Hop. Hop, nickel. Voilà. Trousse de soins, super.
On en disait une tout de suite, vu ma santé. Je pense que j'ai clear la zone. Par contre, ça m'a pas l'air d'être par là. Oh. Si tu avais le moindre doute sur le fait que tu as entendu quelque chose, ne l'aie plus. $1. Oh. Ça valait même pas le déplacement. Ok, c'est vide. Bien sûr, un bon pistolet. Ah, je suis plein en munitions pour chevrotine. Chevrotine, c'est ça. Ok. Non, pas besoin de faire des échanges. Nouveau checkpoint, ça c'est chouette. Ok. Salle d'interrogation. Encore un autre type avec des crochets. Oh, appareil photo. Prenez vos ennemis en photo avec l'appareil photo pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Essayez de prendre une photo du chrosome. Bah, c'est fait. Ok. Bonus de recherche de prosone plafonnier. Dégâts plus. Le chrosome plafonnier est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. Ah. C'est la même que la meuf tout à l'heure. Alors là, j'ai l'appareil photo en main. Ah, c'est juste la touche 6. Très bien. Et donc, il m'a dit vulnérable à l'électricité. Je fouille tout, mais... Donc, je peux pas interagir avec lui pour l'instant. Et ceux-là, ils prennent pas beaucoup de dégâts d'électricité. Ah, c'est peut-être fait pour qu'on puisse creuser ici. Je viens pas de là, si. Plasmide balise de sécurité. Les caméras de sécurité vous harcèlent. Balisez simplement vos ennemis avec des insectes photoélectriques pour duper les caméras et les tourelles. Essayez la balise de sécurité dès aujourd'hui. On va le virer. On va le mettre à la place de télékinésie. Les systèmes de sécurité. Détournez les robots et les tourelles vers vos ennemis. Donc, ah, c'est plutôt chouette. Allez, s'il a la tourelle, il en aura une suivante. Ok, alors j'imagine que c'était surtout pour nous montrer. Qu'est-ce que je peux faire? Photo de trois chrosomes plafonniers. Ah, il faut juste que j'en trouve d'autres alors. On va supposer que si je peux descendre ici, c'est intentionnel. Limite atteinte, d'accord. Alors la tourelle. Hop. Je veux pas qu'elle m'embête. Là, il y a toute une déco pour... La tourelle, ça va, c'est super lent. Hop, quelques zigzags. Zigzag comme ci.
vers le bas. Je fais des gros détours, mais comme on n'a pas besoin d'avoir un truc optimisé. Ah, par contre, là, il me manque un élément. Hop. 10 distributeurs d'articles. Bon, on va tenter de réduire les prix. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Plutôt, mais on peut se faufiler quand même. À condition d'être assez rapide. Je pense que le souci, c'est surtout une question de vitesse. Alors, toc, 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 et le dernier. Ça va. Hop. Acheter des articles. Ah! J'ai pas mal de sous, j'aurais voulu des caisses de soins, mais il n'y en a pas. Ça, je suis presque à max. Ça, relativement bien aussi. Chevrotine ionique. Les cartouches de chevrotine ionique sont très efficaces contre les singles qui craignent l'électricité. Bon, on va se booster un peu. Et balle antipersonnelle, on va dire que c'est bien. Et puis ce sera tout, le reste m'intéresse beaucoup moins. Ah, c'est une machine espagnole. Découverte de la dent. Je suis curieux. Cette limace de mer est arrivée et a fait ressurgir toutes les idées folles que j'avais eues depuis la guerre. Elle ne soigne pas seulement les cellules endommagées, elle les ressuscite. Tordre la double hélice, le noir peut renaître blanc. Hop, pardon. Le noir peut... On va terminer quand même le discours et après on va s'arrêter là pour cette vidéo. Le petit, le faible fort. Mais les limaces ne suffisent pas. Je vais avoir besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Eh bien, nous verrons la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt.